Il nous manque l'aile gauche. Il n'est pas là, lui, encore. Ah, pardon. Non, mais... Et j'ai... Tout le monde est sorti des glaces, apparemment. Mouchan est arrivé. Je vais faire l'appel. Alors, pour la commune des Herbiers, Véronique Besse présente, Christophe Hogard, Angélique Remigereau, Luc Soulard, Magali Loiseau, Roger Briand, Odile Pinault, Patrice Bouanchot, Estelle Ciodo, Jean-Yves Merlet, Angélique Boisselot, Jean-Marie Grimaud, Hélène Chenet, Jean-Marie Girard, Isabelle Charrier-Fontenay, Julie-Marielle Godard, Joseph Liard, et j'ai les excuses d'Aurélie Turbé qui donne son pouvoir à Julie-Marielle Godard. OK ? Pour la commune de Mouchamp, Patrick Mandin, Sabine Loiseau, Jean-Michel Lumeau, Sophie Sionneau. Pour la commune des Épaisses, Jean-Louis Launay, Hélène Poingasca, Philippe Albert, et Stéphanie Pelletier, qui s'est excusée, qui donne pouvoir à Hélène Poingasca. D'accord ? Pour la commune de Beaurepaire, Franck Gauthier. Donc, les excuses d'Élodie Branger, qui donne son pouvoir à David Rimbaud. Qui... Voilà, pardon. Ouais. OK, et donc David Rimbaud, présent. La commune de Vendrenne, Rosine Flipard. Présent. Pascal Lallemand. Commune de Ménard, Landry Rondeau. Présent. Et Alexandra Bonnet. Pour la commune de Saint-Paul-en-Paray, donc Bénédicte Gardin est excusée, et donc Nicolas Grelet. Et pour la commune de Saint-Marc, la Réorte, Patrice Bertrand, Lady Pasquier. Voilà. Très bien. On parlait de Bénédicte, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a des petits soucis de santé, donc elle est rentrée
hier hein, chez elle, c'est ça Nicolas ? Et donc on pense bien à elle ce soir. J'espère qu'elle nous regarde puisque nous sommes revenus en configuration Covid, hein, comme vous le savez. Et donc non seulement la séance est enregistrée, bien sûr, mais elle est aussi diffusée sur YouTube. Donc attention à votre comportement, vous êtes regardé et peut-être un petit clin d'œil à Bénédicte, je ne sais pas si elle est en forme pour nous regarder, mais on pense bien, bien à elle ce soir parce que c'est en plus notre première vice-présidente et on a une petite pensée pour elle. Alors, j'ai de l'écho derrière. Il y a un problème, non ? C'est bon ? Mais elle regarde le conseil sur YouTube. Oui, mais vous pouvez la regarder en direct. Donc, une proposition pour le secrétaire de séance. Je propose Jean-Michel, puisque la dernière fois, c'était Hélène. Secrétaire de séance. Pas de problème ? On tourne, hein, enfin, on... tout le monde est d'accord ? À l'unanimité ? Je vous remercie. Je vous propose maintenant d'adopter le compte-rendu de notre séance précédente. Le dernier conseil a eu lieu le 30 septembre. Est-ce que vous avez des remarques, des questions ? Pas de remarques, je le mets aux voix. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Donc, le PV va circuler parmi vous pour la signature. Ensuite, le Conseil communautaire prend acte de la communication des décisions prises par délégation. Vous avez reçu le petit compte-rendu. Pas de remarques. Vous en prenez acte. Oui, là, vous avez lu ça attentivement, les délégations au bureau notamment. Eh bien, on va commencer la séance. Donc, dans ce contexte, c'est plus chaleureux que la dernière fois. Je voudrais remercier d'ailleurs Vincent... Brousseau, je ne sais pas s'il est là, Vincent, qui a mis un petit peu en forme pour que ça soit plus chaleureux, parce que cette salle, elle n'est pas toujours très agréable. Et je trouve que par rapport aux dernières fois où nous étions ici, c'est plus sympa. Il y a un petit avant-goût de Noël avec des sapins. Donc voilà, merci Vincent. Ça nous met dans une ambiance à la fois de travail, mais aussi des fêtes qui approchent. Alors, on va commencer par... la première délibération que je vais rapporter, il s'agit d'une cession de parcelle au groupe Liebo. Pour cette première délibération, donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'acte de vente de la première parcelle sur la ZAC Éco-Sud. Vous avez le plan sous les yeux. Nous avons la chance, dans le contexte actuel, hein, que des entrepreneurs locaux continuent à vouloir se développer et souhaitent le faire sur notre territoire, donc le groupe Liebo. A besoin de 7 hectares pour implanter un site industriel. La situation de la zone éco-sud et la souplesse d'aménagement de la procédure de ZAC nous permettent en effet de proposer un terrain adapté à ce besoin. Et pour ces 7 hectares, il a été convenu d'un prix de 20 euros hors taxe le mètre carré, soit la somme globale de 1 400 000 euros hors taxe. Et comme pour chacune... des ventes, une clause anti-spéculative sera mentionnée dans l'acte de vente. Bon, j'ai eu l'occasion de le dire avec le chef d'entreprise lors d'une conférence de presse, mais c'est pour nous, pour la communauté de communes, c'est une vente historique. Nous avons vendu un terrain de cette ampleur, 7 hectares d'un seul tenant, et qui plus est à un industriel local. Et c'est une bonne nouvelle quand même, bien sûr, pour la zone éco, puisque... elle est en train d'être aménagée, donc elle n'est pas du tout opérationnelle pour le moment, mais tout va se faire dans le temps. Mais en tous les cas, c'est une bonne nouvelle aussi, par les temps qui courent, qui plus est, pour l'économie locale. Voilà. Est-ce qu'il y a de... Donc la zone au total fait 20 hectares, à peu près. Voilà, vous voulez des informations. On va améliorer aussi, pour des raisons de sécurité, le rond-point qui s'appelle le rond-point Schumann, qui dessert pas celui de la route de Bordepère, mais l'autre qui dessert la route de la Gaubretière, la RD 755, pour faire une entrée dans la zone éco. Et sur le long de la voie de la RD 23, donc entre Les Herbiers et Bordepère, vous savez qu'il y a déjà un bout de piste cyclable que nous avons inauguré, hein, Franck, il n'y a pas longtemps, sous la pluie, un samedi matin, mais on s'en souviendra. Une belle piste cyclable entre Bordepère et la zone éco. Et on va, dans le prolongement, bien sûr, de la
de cette ZAC et jusqu'au rond-point du centre, enfin Hyper-U, il faudra lui donner un autre nom un jour, on va continuer la piste cyclable. Voilà. Voilà quelques informations. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, donc je mets aux voix. Qui est contre cette vente ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons maintenant. Alors, je vous propose de voir trois délibérations en même temps. C'est Franck qui va les rapporter parce qu'elles ont le même objet. Alors, voilà. Lors du projet de création de la ZAC EcoSud, Roger Briand et le service développement économique avaient rencontré les propriétaires du village de Lorvoir pour examiner en concertation les moyens de minimiser les nuisances engendrées par la proximité de la zone économique. Donc, il en est ressorti l'idée de conserver un espace de protection autour du village, espace privé à proximité immédiate du village, espace public sur un périmètre plus éloigné. Donc, à cet effet, nous vous proposons les trois délibérations suivantes. Donc, deuxième délibération. Tout d'abord, de céder à monsieur et madame Charrier 1060 mètres carrés de la parcelle cadastrée XR55. Delphine va montrer. Vous ne voyez peut-être pas trop avec les écrans, si ça va. Bon, c'est pas grave. Vas-y, Franck. Acquérir à monsieur et madame Charrier 2010 mètres carrés en provenance des parcelles cadastrées XR40, XR50 et XR51. Ces échanges se traduisent par le versement d'une soulte de 3 800 euros à monsieur et madame Charrier, le mètre carré étant valorisé à 4 euros. Indemniser à hauteur de 500 euros monsieur et madame Charrier pour la perte d'arbres fruitiers et de prévoir de menus travaux pour le rétablissement d'accès aux parcelles et la mise de clôtures séparatives par du grillage à moutons. Donc voici la deuxième délibération. Pour la troisième délibération, céder à monsieur et madame Rémy Giraud 1023 mètres carrés de la parcelle cadastrée XR137 au prix de 4 092 euros. Délibération 4, céder à Julien Soulard et Mathilde Auger-Ouvrard 236 mètres carrés de la parcelle cadastrée XR137 au prix de 944 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Voilà, donc c'est une première protection, puis après il y aura bien sûr la protection, une protection renforcée hein, par rapport aux riverains de ces villages, par rapport à la zone. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui. Alors, il faut voter délibération par délibération. Pour la délibération numéro 2, c'est-à-dire l'échange de tarifs de terrain avec monsieur et madame Charrier, vote contre, abstention ? Non ? Pour la délibération numéro 3, cession de terrain à monsieur et madame Remigereau, pas de vote contre, pas d'abstention. Et le vote pour la délibération numéro 4, cession de terrain à Julien Soulard et Mathilde Auger-Ouvrard. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Alors, je vous propose aussi qu'on regarde en même temps la 5 et la 6. Ce sont deux conventions pour la même zone, l'une avec Vendéo et l'une autre avec le CIDEV, Franck. Très bien. Donc, les deux délibérations concernent une extension de réseau pour assurer l'alimentation en eau potable et électrique d'une parcelle de cette zone et ainsi permettre l'installation d'entreprises. La convention avec Vendéo fixe notre participation à 2513,18 € TTC sur un total de travaux estimé à 5027,58 € TTC. La convention avec le CIDEV fixe notre participation à 23 358 € TTC sur un total de travaux estimé à 32 019 € TTC. Bon. Donc on peut voir. Pas de questions ? Non ? Alors, je mets aux voix, s'il n'y a pas de questions, la délibération numéro 5, convention avec Vendéo. Pas de questions, pas de vote contre, pardon. Pas d'abstention. Et la délibération numéro 6, convention avec le CIDEV. Pas de vote contre, pas d'abstention.
Merci. On passe à la délibération numéro 7. Il s'agit de la zone de Beaulieu à Mouchamp avec l'acquisition de parcelles au département de la Vendée. Patrick. Dans le cadre de sa politique de développement économique, la communauté de communes du Pays des Herbiers a la possibilité d'acquérir des délaissés de parcelles appartenant au conseil départemental de la Vendée à proximité immédiate de la zone d'activité économique dénommée zone de Beaulieu sur la commune de Mouchamp. Cette acquisition permettrait l'extension à terme de la zone d'activité sur la partie nord de la déviation de Mouchamp, la RD 48, donc on appelle Beaulieu Nord. Ainsi, je vous propose d'acquérir auprès du département de la Vendée les parcelles apparaissant en rouge sur le plan qui vous est projeté. La surface globale est d'environ 11 337 m² au prix de 0,20 € hors taxe du mètre carré, soit une somme d'environ 2 267,40 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Non. C'est une affaire à saisir. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ça a été un petit peu encouragé parce qu'il y avait deux porteurs de projet. Actuellement, la zone Beaulieu Sud, en dessous de la déviation, et il ne reste plus que 5 000 m². Il y a d'ailleurs un premier projet qui sort de terre et puis il y a quatre porteurs de projet qui se sont déjà positionnés. Et donc, il ne reste que 5 000 m² dans la partie sud. Donc là, et on a deux porteurs de projet sur la partie nord qui seraient intéressés. Et il reste donc deux terrains. Là, vous voyez au milieu, ça fait le triangle là. Et donc, il y a un contact qui va être pris. Ils sont vendeurs pour pouvoir à terme aménager cette zone de Beaulieu Nord. Voilà. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non, tout le monde. Bon, 20 centimes du mètre carré hors taxe, c'est vrai que bon, c'est quand même pas très cher. Comment? Oui, on paiera plus cher les autres terrains, ça c'est sûr. C'est clair, oui, ça sera plus cher. Puis sur les autres terrains, il y aura sûrement des indemnités d'éviction. En plus. Alors qu'ici, ça avait déjà été convenu dans le cadre de la déviation, ils avaient été indemnisés avant. Pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Ensuite, alors un petit mot, Franck, sur le fonds de relance économique et une convention avec Initiative Vendée Bocage. Tout à fait. Donc, lors de notre conseil du 1er juillet 2020, en vue d'aider nos entreprises à sortir de la crise économique liée à l'épidémie de COVID-19, nous avons décidé de mettre en place le fonds de relance Pays des Herbiers, fonds soutenu par le département de la Vendée. Pour assurer l'instruction des demandes sur leur aspect financier, nous souhaitons nous appuyer sur l'expertise de la plateforme Initiative Vendée Bocage. Aussi, il est proposé de définir notre processus de collaboration via une convention dont le projet vous a été adressé en annexe de la note de synthèse de cette séance. Elle prévoit notamment le versement d'une subvention à IVB de 3 000 €. Suivant le nombre de dossiers que nous demanderons à IVB d'instruire, un avenant à la présente convention ou une nouvelle convention nous sera soumise. Donc, à la date d'aujourd'hui, on a reçu 4 dossiers de demande de fonds de relance. Ça rentre vraiment dans les cordes d'IVB, hein, donc, déjà travaille sur, accompagne des porteurs de projets du Pays des Herbiers. Voilà, chaque année, on réunit, je dis ça pour les nouveaux élus, on réunit quand on peut, hein, mais bon, on verra cette année, on réunit les porteurs de projets qui ont été accompagnés par, ils ont aussi un tuteur, hein, on appelle ça comme ça, oui, et puis ils ont quelqu'un d'IVB pour toutes les démarches, pour les subventions, etc. Donc, chaque année, on les réunit à la communauté de communes parce qu'il y a des porteurs de projets en général de vraiment toutes nos communes. Voilà, c'est des initiatives sur différents métiers. Et ils ont souvent un prêt qui les aide aussi à démarrer, etc. Et donc, on a considéré que IVB était vraiment la bonne porte d'entrée pour accompagner et instruire les dossiers là, dans le cadre du plan de relance. S'il y a des questions? Pas de questions? Bon, non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? On continue. Et on passe à l'ouverture des commerces le dimanche pour l'année 2021. Estelle, la spécialiste. Au-delà d'une ouverture de 5 dimanches dans l'année des commerces de détail, une commune doit demander l'avis conforme de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. La ville des Herbiers sollicite donc l'avis de la CCPH concernant 8 dimanches pour l'année 2021. Les commerces et les dates vous sont présentés sur le diaporama.
Voilà, alors tout ça va peut-être évoluer avec ce qu'on va nous dire bientôt sur l'ouverture des commerces, puisque moi j'ai entendu dire, enfin le ministre de l'économie disait l'autre jour que les petits commerces en centre-ville pourraient, pour attraper un peu le problème, la non-ouverture ou la fermeture plus exactement du mois de novembre, pourraient autoriser nos commerces de centre-bourg et de centre-ville à ouvrir le dimanche, mais ça c'est pas officiel encore. Donc moi, j'ai déjà eu la demande de plusieurs commerçants que si effectivement les commerces pourraient réouvrir à partir de début décembre, j'ai déjà des demandes par rapport aux ouvertures des dimanches, si effectivement on acceptait les ouvertures des dimanches. Donc effectivement, on avait fait l'arrêté l'année dernière, donc ça tombe bien. Ils pourront être autorisés à ouvrir. Je ne sais pas si dans vos communes, vous avez la demande, sans doute. Hein, ça viendra quand ce sera officiel. Non ? Peut-être ? Oui, mais bon. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Des votes contre, des abstentions. Alors ensuite, on passe à la DM 3, la décision modificative numéro 3, Christophe Hogard. Donc il s'agit de la troisième décision modificative de l'année. Elle fait suite à la délibération que nous avons adoptée lors du premier point de ce conseil, à savoir la cession au groupe Liebo d'une parcelle de 7 hectares sur la ZAC Éco-Sud. Donc cette DM vise à réajuster donc les crédits à hauteur d'€1,4 million sur le budget de lotissement en inscrivant la recette de la cession et les crédits pour les travaux d'aménagement de la zone. Voilà. Donc les autres budgets ne sont pas modifiés. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors ensuite, je vous propose de voir ensemble deux délibérations suivantes parce qu'elles ont le même objet, c'est la 11 et la 12. C'est Patrick qui rapporte. Oui, donc participation donc 2020 à la clé du sage du lait. La première délibération donc, porte sur la modification du montant de la participation de la CCPH au syndicat mixte du bassin du lait pour l'année 2020. En effet, le montant approuvé lors du conseil communautaire du 4 mars 2020 avait été établi sur des prévisions budgétaires transmises par le syndicat. Cependant, le budget finalement adopté affecte une contribution de la communauté de communes au Pays des Herbiers d'un montant de 25 545,80 €, soit une hausse de 530,22 €. Aussi, il nous est proposé de modifier la délibération du 4 mars pour porter notre contribution au montant réel de 25 545,80 €, les autres contributions à différents syndicats mixtes n'étant pas modifiées. Et la deuxième délibération concerne la participation de la CCPH à la commission locale de l'eau du SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux du lait, qui était juridiquement portée par le SMBL, le syndicat mixte du bassin du lait. Pour 2020, notre participation s'élève à 330 €. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ces participations financières ? Pas de questions. Je mets aux voix donc la délibération numéro 11 pour la modification de la participation 2020 au SMBL. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et la délibération numéro 12, participation 2020 à la clé du sage du lait. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? On passe à la délibération numéro 13, c'est l'avenant contrat territoire-région 2020. Donc notre contrat de territoire avec la région arrive à échéance au 31 décembre prochain. Et comme chacun sait, la crise sanitaire a engendré un décalage des élections municipales et donc communautaires. Ainsi, l'ensemble des demandes de subventions sélectionnées en concertation par le bureau communautaire ne pourra pas être déposées dans les délais. Aussi, la région nous propose de prolonger, puisqu'on n'est pas les seuls, hein, la durée du contrat de 9 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2021. Voilà, donc c'est uniquement pour ça. Je vous rappelle quand même pour ceux, les nouveaux élus, que maintenant, il y a beaucoup de contractualisation avec l'État, donc pour nos projets, hein, les projets de nos communes, qu'on regarde ensemble au niveau du bureau communautaire, mais aussi des commissions, donc pour financer nos projets dans nos communes, ou les projets de la communauté de communes également. Donc, contrat avec la région, contrat avec l'État, pardon, contrat avec la région, comme là, et contrat aussi avec le département. Avec l'État, c'est un peu plus compliqué puisque l'enveloppe, elle n'est jamais la même. Elle dépend de la loi de finances qui est votée chaque année par les parlementaires. La région, c'est stable. Ça a permis quand même
de financer un certain nombre de dossiers. Et puis, le département aussi, avec une clause de revoyure. Donc, on se revoit pour affiner nos projets de temps en temps. Et là, on va repartir sur des nouveaux contrats. Après, voilà. Il n'y a pas de questions ? C'est clair pour tout le monde ? Non, c'est que maintenant, parce que vous pouvez vous dire dans vos communes, mais avant, on déposait des subventions dans chaque commune. Maintenant, ce n'est pas nous qui avons décidé. Maintenant, c'est les contractualisations, avec les trois entités que je viens d'évoquer. Hein. Donc, ça nous permet de travailler ensemble, les maires, pour voir un peu comment on articule tout ça. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, ce n'est pas chaque commune qui vient porter sa petite demande de subvention. Et puis après, il y a des orientations. On voit que la région, c'est plus quand même sur tout ce qui est économie d'énergie. Et le prochain avec l'État, ce sera le prochain contrat avec l'État. On a eu déjà une visioconférence là-dessus. Ce sera aussi bien tourné sur les économies d'énergie, transition écologique. Voilà, donc tout ce qui est lié notamment aux économies d'énergie dans les bâtiments publics, entre autres les maisons de santé, etc. Bon, pas de questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? On ne vous a pas mis la liste, mais il y a des choses dans chaque commune qui ont été financées par la région. Hein. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, aux Épaisses, il y a eu les travaux de réhabilitation des bâtiments classés et services en centre-bourg, au niveau de la rénovation énergétique, Jean-Louis. Il y a eu le City Stade aussi. Ménard, il y a eu les déplacements doux, où c'est en cours. C'est en cours, oui. À Mouchamp, la salle du Petit Lait, c'est en cours aussi. À Saint-Marc, la mairie, avec un aménagement intérieur. Oui, c'est en cours aussi, oui. C'est en cours. Saint-Paul, la salle de sport, et puis des aménagements de sécurité, liaison douce. Ouais. Vendrenne, la salle multifonction. Les Herbiers, les Herbiers communes, c'est le CTM CTI, Centre Technique Municipal. Et puis, pour la communauté de communes stricto sensu, c'est voirie intercommunale et liaison douce. Et puis, la production photovoltaïque à la piscine, Cap Vert. Voilà, pour vous donner quelques exemples de concrétisation de ces contrats. Bon, on a voté, donc je passe à la délibération numéro 14, c'est l'adoption du règlement intérieur. Donc après chaque renouvellement, le conseil communautaire doit adopter son règlement intérieur dans les 6 mois suivant son installation. Pour ce faire, nous avons pris pour base le règlement précédent en lui apportant quelques modifications, soit pour de simples mises à jour réglementaires, soit pour les adaptations à la situation, avec notamment la prise en compte des conséquences de l'instauration de l'urgence sanitaire. Le projet de règlement vous a été transmis en annexe de la note de synthèse. Donc, avant de voter, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Sur ce règlement intérieur que vous avez lu avec attention. Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, autre délibération, la numéro 15, c'est le débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance. La loi intitulée « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le Conseil communautaire a en débattre sur l'intérêt d'élaborer un tel pacte. Avant d'ouvrir le débat, je tiens à vous faire part qu'après en avoir discuté avec mes collègues maires, compte tenu du nombre de communes constituant la communauté de communes, d'une part, parce que tous les maires sont vice-présidents et membres du bureau communautaire, rendant collégial l'ensemble des décisions d'une part, l'adoption d'un pacte de gouvernance n'apparaît pas nécessaire pour la communauté de communes. En fait, ce pacte de gouvernance, il est fait, c'est une possibilité, pourquoi pas, pour des intercommunalités où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes. Je prends celle, par exemple, de, je ne sais plus son nom, Sud Vendée Littoral. 44 communes, il est évident que les 44 maires ne peuvent pas siéger au bureau.
C'est pas possible. Ils sont pas tous vice-présidents. Donc là, l'utilité d'un pacte de gouvernance est réelle. Nous, on a discuté entre nous et on s'est dit que, comme on était tous les maires sont dans le bureau communautaire, qu'on ne souhaitait pas rajouter une strate. On est déjà assez occupé, donc rajouter une strate, un nouvel organe pour délibérer, c'était pas nécessaire. Donc voilà, donc on y va, on peut ouvrir le débat. S'il y a débat, pas de débat. Oui. Ça peut se faire en cours de mandat ou pas ? Ou c'est une bonne fois pour toutes là ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas raison de le faire à ce stade-là. Et si en cours de mandat, je prends une commune ou une autre, décide de dire, tiens, il y aurait peut-être intérêt de mettre le mettre en place, c'est envisageable ou pas ? Oui, ce que dit Yann, ce que j'ai dit d'ailleurs au départ, c'est dans les 9 mois qui suivent. Ça doit être mis dans les 9 mois, mais ouais. Si en cours de mandat, je ne sais pas quoi, certains maires jugent qu'un pacte peut se faire. D'accord. C'est dans les 9 mois à partir ouais. de. OK. Ouais. Mais si vous voulez, enfin, je ne sais pas, pour répondre à ta question, mais je ne sais pas, tu penses à quelque chose ? Ah, rien du tout. D'accord. Non, c'est une question. non, mais parce qu'en fait, ce que j'expliquais, ça nous, on est déjà en configuration, on est tous les maires, quoi, si tu veux. Donc, on débat déjà entre nous. Ah non, mais voilà. Il n'y a pas de souci, mais je pose la question, savoir si. Mais je pense que c'est une bonne formule. Une décision bonne fois pour toutes. Voilà. Et c'est une bonne formule pour, par exemple, Pouzauges. Je pense que tous les maires, de mémoire, c'était comme ça dans le mandat précédent. Je pense que c'est peut-être toujours comme ça, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Ils ont certainement mis en place où ils vont le mettre ce pacte de gouvernance, parce qu'il pour réunir tout le monde. Autrement, c'est un peu à deux vitesses, parce que vous avez les vice-présidents, puis les autres maires qui sont à côté, puis qui n'ont pas toujours l'information. Il n'y a rien de plus désagréable. Voilà, donc s'il n'y a pas de débat, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2-3, du coup, parce que vous avez un pouvoir. Hein. D'accord. OK. Alors, ensuite, nous passons à la compensation collective agricole, composition du comité de pilotage Roselyne. Tout aménagement d'une surface supérieure à 5 hectares pris sur des terres agricoles engendre à la charge de l'aménageur une compensation permettant de reconstituer l'économie de la filière agricole. En tant qu'aménageur, nous sommes concernés pour les ZAC de la Souchet et Écosud. Nous avons donc diligenté des études préalables que nous avons confiées à la Chambre d'agriculture. Les compositions de ces études ont estimé les compensations financières à 167 782 euros pour la ZAC Écosud et 178 892 euros pour la ZAC de la Souchet. Et ces fonds doivent être affectés dans les 10 ans. Par ailleurs, en concertation avec les représentants locaux du monde agricole, nous avons défini des types d'actions à subventionner dans ce cadre. Je précise que ces études ont obtenu un avis favorable du préfet de la Vendée après examen par la CDPNAF. Il nous faut donc constituer le comité de pilotage qui sera chargé d'étudier l'attribution des fonds au cas par cas. Nous proposons qu'il soit composé à parité entre élus et représentants de la profession agricole. Nous vous soumettons la composition suivante. Est-ce qu'il faut que je les énumère ? Ouais, juste avant, oui, tu vas lui dire. Juste avant, il faut peut-être préciser ce que c'est la CDPNAF. C'est la commission départementale. Alors, c'est une commission composée de, évidemment, des agents de l'État, du monde agricole, de plusieurs notaires, élus. Oui. Notaire, élu, voilà, et qui est, enfin, pour les attributions de terrain, hein, souvent on va à la CDPNAF. Et là, on était dans les premiers à passer, si je ne me trompe, hein, la première commission, parce que c'est assez récent, cette compensation collective attribuée. Hein, autrefois, on n'avait pas ça. Donc, c'est une somme que la communauté de communes doit verser en supplément. Et donc, je pense que nous étions la première communauté de communes, enfin, convoquée en CDPNAF. Et ils nous ont validé ces sommes qui ont été demandées. Ce sont des sommes importantes, effectivement. Voilà, d'où l'importance. Alors, je dois préciser que cette
Nous n'étions pas dans l'obligation de choses, oui, nous n'étions pas dans l'obligation de former un comité de pilotage. C'est une volonté des élus. Hein, je pense que en tant que démocratie participative, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres collectivités qui l'ont fait. Nous, on a pensé qu'il fallait travailler avec le monde agricole parce que c'est des compensations qui vont être redonnées au monde agricole hein, dans sa globalité. Donc, il était important de les mettre à travailler avec nous. Et je pense que ça, au niveau de la commission, ça a eu les faveurs de la commission. Ils ont bien apprécié ce fait d'avoir formé un comité de pilotage. Et on travaille déjà, on a un comité foncier qu'on réunit de temps en temps au niveau de la communauté de communes où on regarde un petit peu, on les informe de nos projets. Pour pas qu'ils soient surpris, qu'ils apprennent soit par la presse, soit par la rumeur, les projets que l'on a, parce que ça a toujours un impact quand il y a des projets importants, ça a de l'impact sur le foncier. Quand on fait une zone à une ZAC ou quand on fait un lotissement dans nos communes, ça a de l'impact sur le foncier. Donc ça se passe très bien. Y a une très bonne entente. Et puis bon, bah voilà, on est quelquefois pas d'accord, hein, mais c'est normal. Chacun défend. Ces affaires et donc on a voulu continuer hein, c'est l'idée du comité de pilotage comme tu dis, on a voulu continuer un peu dans cet état d'esprit. Ouais, voilà. Tu peux dire hein, comment chaque commune a été sollicitée pour le collège élu et le collège agricole. Voilà. Tu peux donc, le dire hein. Oui, je vais donc nous avons décidé en collège élu donc chaque commune a élu un élu évidemment. Pour Beaurepaire, Mathieu Baron. Pour les Épaisses, Jean-Louis Launay. Les Herbiers, Jean-Yves Merlet. Deux pour les Herbiers, évidemment, Jean-Marc Grimaud, Ménard-la-Barotière, Pierre Pluchon, pour Mouchamp, Jean-Michel Lumeau, pour Saint-Marc-la-Réorthe, Geoffrey Puot, pour Saint-Paul-en-Parais, Nicolas Grelet, pour Vendrenne, Gérard Gallard, et pour la CCPH, moi-même. Pour le Collège du monde agricole, à Beaurepaire, Édouard Baron, aux Épaisses, Benoît Jadot, pour les Herbiers, Jean-Jacques Blanchard et Tony Brizard. Pour Ménard-la-Barotière, Daniel Boudot. Pour Mouchamp, Michael Vachon. Pour Saint-Marc-la-Réorthe, Robert Roy. Pour Saint-Paul-en-Parais, Fabien Lucas. Pour Vendrenne, Jean-Luc Rousselot. Et un représentant de la Chambre d'agriculture. Alors, pour préciser aussi, quand la commission de CNPNAF nous a demandé aussi, il nous fallait des orientations pour diriger ces fonds qui sont relativement importants, quoi. Donc, il a fallu définir en amont quelques orientations. Et je peux vous quand même donner quelques principales actions. Ce qui a été remonté principalement, c'était l'amélioration des charges de structure et des structures, c'est-à-dire réaménager les structures agricoles, quoi. Ça, pour faciliter ceux qui sont impactés au niveau agricole, pour faciliter le transport, le matériel, enfin bon voilà. Donc ça peut être des aménagements qui seront faits. Renforcer et valoriser le potentiel agronomique des terres par des équipements structurants tels que l'irrigation ou remise en état des parcelles en friche. Enfin, on peut aller au-delà de tout ça, quoi. Il va falloir se mettre en accord pour précisément. Construction des bâtiments en commun. Hein, pour regrouper le matériel. L'approvisionnement de la restauration collective en circuit court, bon, c'est un domaine important, mais ça revient bien, ça a été bien retenu. Et puis, développer l'économie circulaire en agriculture, participer à des projets tels que la méthanisation éventuellement, et puis la filière bois pour l'entretien des haies bocagères et du boisement. Donc, et peut-être autre chose quoi, à voir. Mais ça a été les principales, nous avons défendu ces principales causes auprès de la commission CDPNAF. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, j'ai reçu votre mail, Mme Marielle, hier soir pour qu'Étienne Blanchard figure dans le comité de pilotage. Alors, je vous le dis de vive voix, mais je sais qu'on vous l'a dit aussi tout à l'heure. Au niveau des élus, non, parce que les élus qui ont été, donc Jean-Yves, et puis pour la ville des Herbiers, hein, Jean-Yves et puis Jean-Marie sont des membres du bureau municipal, donc ils suivent au quotidien les dossiers, donc c'est important. Par contre, moi, je vois pas d'inconvénient
qu'il faudrait qu'il voit avec soit Jean-Jacques Blanchard, soit avec Tony Brizard. Si l'un ou l'autre veut laisser sa place, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux préciser, en fait, ce sont, on a pris pour le monde agricole en priorité les élus de la Chambre d'agriculture qui sont désignés par la Chambre d'agriculture. C'était difficile. Alors après, ceux qui n'ont pas voulu, il a fallu peut-être trouver d'autres personnes, mais c'était difficile de faire autrement et d'avoir, de choisir parmi le monde agricole. Il nous a semblé bon de choisir parmi les élus au niveau de la Chambre, qui sont censés représenter tous les agriculteurs. Voilà. Donc, vous transmettra à Étienne ? Voilà, après, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On passe ensuite à l'Agence de services aux collectivités locales de Vendée. Rapport annuel des représentants, Franck. Donc, la SAPL, la Société Anonyme Publique Locale, qui s'appelle aussi l'Agence de services aux collectivités locales de Vendée, a pour vocation d'apporter à ses 224 actionnaires, communes, EPCI, une assistance dans la mise en œuvre de leur politique publique. Par exemple, ingénierie routière, aménagement et renouvellement urbain, construction de bâtiments. Son rapport annuel 2019, joint en deux synthèses de ce conseil, doit être présenté pour approbation aux organes délibérants de ses actionnaires. La SAPL est intervenue en 2019 dans les domaines suivants. Donc, tout d'abord, l'ingénierie routière, 32 conventions pour mission maîtrise d'œuvre complète, 21 conventions pour éléments de mission de maîtrise d'œuvre, dont une étude d'avant-projet à Saint-Paul, en Paris. 9 conventions d'assistance technique. Ensuite, l'aménagement et renouvellement urbain, donc négociation foncière, 13 clients, aménagement de sol, 9 études, lotissement d'habitation, 9 nouvelles opérations, dont une à Mouchamp. Zone d'activité, 81 483 m² vendue pour 1 235 212,20 euros hors taxes. Le troisième domaine, la construction de bâtiments, donc 106 opérations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le quatrième domaine, l'ingénierie territoriale touristique, 3 missions confiées par le département dans le cadre du schéma départemental de développement touristique et 2 missions diverses. Il est précisé que la communauté de communes n'a plus fait appel à la SAPL depuis le diagnostic sur le transfert des zones économiques, car elle dispose de ressources en interne. Elle a surtout fait le choix d'être actionnaire lors de la création de la SAPL par solidarité avec les collectivités de Vendée. Il est proposé d'approuver ce rapport. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Vous avez sur votre table un petit rapport, là, une petite présentation de Vendée Expansion et de la SAPL. Là. Et puis, il y a une fiche dedans peut être intéressante avec un zoom sur le pays des herbiers. Voilà. Je vous le dis. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient sur ce rapport ? Je vous remercie. Ensuite, marché d'acquisition de véhicules de tourisme et utilitaires d'un tracteur et d'un camion benne à ordures ménagères à moteur thermique ou hydrogène. Autorisation de signature. Patrice. Oui, donc je vais vous parler de voitures et de camions. Donc, afin de renouveler et compléter le parc véhicules de matériel commun que nous avons lancé une consultation sur la forme de procédure d'appel d'offres ouverte qui compose 7 lots. Donc, la proposition de la commission d'appel d'offres s'est réunie avant-hier et fait une proposition suivante. Comment est-ce qu'on fait ? On les vote lot par lot ou vous voulez qu'on fasse entièrement ? D'accord. Donc, le lot 1, je vous l'ai détaillé. Le lot 1, c'est le remplacement d'un camion, un porteur uniquement, pour le service de la collecte des déchets. Donc, c'est la société Star Truck pour un montant de 83 900 euros hors taxes qui est proposé. À noter que pour ce lot, nous avions envisagé une variante obligatoire pour un changement de moteur, une adaptation de moteur thermique à un moteur hydraulique. Hydrogène. Donc pour moi, c'est un H pareil, mais c'est hydrogène. Cette plus-value nous a un peu fait peur et on est revenu un petit peu en arrière, tout simplement parce que cette modification peut entraîner
des complications pour l'adaptation derrière, pour la mise en place de la grue, et, etc., et de la benne, et surtout le prix. Juste pour cette plus-value, il nous demande à peu près 530 494 euros. Donc c'est assez dissuasif pour revenir en arrière pour un véhicule qui en vaut 83 900. C'était séduisant de prendre un camion benne à hydrogène parce qu'on s'est dit, on fait. C'est plutôt bien, on y va. Dans le temps, ouais. Bon, après, il y a une difficulté d'approvisionnement en hydrogène. Il y avait ça. Voilà. Mais la plus-value nous a fait reculer quand même. Hein. 530 000, rien que la plus-value. Hein. Parce qu'avec ça, vous n'avez pas le camion. C'est ça. Donc, quand vous avez un camion qui fait 1 million de kilomètres en international, c'est peut-être encore envisageable, mais pour des collectes de déchets dans des communes, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Donc, pour plus tard, on mettra ça plus tard. Donc, cette option est abandonnée, voilà, pour tout vous dire. Le prestataire reprendra l'ancien véhicule, forcément, donc le camion qu'on remplace, hein, il le reprendra pour une valeur de 25 000 euros, pour information. Le lot numéro 2, donc l'équipement de ce fameux camion, donc une benne et une grue hydraulique pour soulever les molochs du porteur, donc l'entreprise Faune Environnement pour un montant de 158 000 euros, donc hors taxe bien sûr. Le lot numéro 3, l'achat d'un petit camion benne utilitaire pour l'enlèvement des dépôts sauvages autour des points de collecte. Donc, ça sera la société Claro Automobile qui a fait une proposition à 31 829,50 € hors taxe toujours. Le lot numéro 3, un petit utilitaire tollé pour le service environnement. Donc, ce serait la société SDVI pour un montant de 13 200 euros hors taxe. Un achat d'un petit utilitaire tollé pour l'office du tourisme. Donc, société Claro Automobile a répondu pour un montant de 17 619,40 euros hors taxe. Le lot 6, donc, il y avait deux tranches, une tranche ferme pour un véhicule électrique, une deuxième tranche optionnelle pour un deuxième véhicule électrique pour remplacer des véhicules à moteur thermique. Donc là, pareil, c'est plutôt séduisant. Ce lot a été déclaré sans suite. Les véhicules seront plutôt achetés par l'intermédiaire de l'UGAP, qui propose des meilleurs tarifs que ce qui a été proposé lors du CO. Et le dernier lot, c'est le lot 7, remplacement d'un tracteur du parc matériel en commun. Sa société BioCGBA qui a répondu pour un montant de 46 850 euros hors taxe. Voilà. Qui a des questions sur ces divers véhicules? Non, ça fait des sommes, hein, mais bon, voilà, on est obligé de remplacer. Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Jean-Louis, pour la concession de services publics relative à l'exploitation du service public d'assainissement collectif sur les communes de Beaurepaire, Saint-Marc, Saint-Paul, Vendrenne, et approbation du choix du délégataire et du contrat avec une autorisation de signature du contrat. Oui, le 27 octobre, chacun d'entre nous a reçu le projet de contrat pour la concession de services publics d'assainissement collectif sur les 4 communes qui viennent d'être citées. La commission de délégation de services publics s'est réunie à plusieurs reprises pour examiner les candidatures et autoriser les candidats à remettre une offre, ouvrir les offres des 3 candidats en lice, négocier les offres à 2 reprises, proposer à la présidente de retenir la proposition finale de la société Suez après avoir constaté qu'elle répond à l'ensemble de nos attentes. Nous avons été accompagnés tout au long de cette procédure par Collectivité Conseil, assistant un maître d'ouvrage spécialisé en la matière. Madame la Présidente a décidé de suivre les conclusions de la Commission et de retenir la société Suez. Je vous remercie donc pour approuver ce choix. Association R Pays de la Loire. Afin de pouvoir disposer des données relatives à la qualité de l'air qui nous sont nécessaires pour le suivi de notre PCAET, je vous propose d'adhérer à l'association R Pays de la Loire pour une durée de 3 ans. Le montant de notre participation financière annuelle est de 2 000 euros. Alors, R Pays de la Loire est une association agréée par le ministère de la Transition écologique et solidaire et pour assurer la surveillance de la qualité de l'air de la région des Pays de la Loire. Il regroupe de façon équilibrée 4 collèges, l'État, les collectivités territoriales, des entreprises industrielles et des associations de protection de l'environnement. Alors, ces missions sont la surveillance de la qualité de l'air, évidemment, les informations du public et des autorités compétentes, l'accompagnement des décideurs et l'amélioration des connaissances et participation aux expérimentations innovantes sur le territoire.
Voilà. Pas de questions ? L'air, on le respire difficilement en ce moment, ou différemment. S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Ensuite, la présentation maintenant du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service de l'assainissement non collectif, Jean-Louis. Alors là, il n'y aura pas de vote, on prendra juste acte. Donc, comme chaque année, nous avons à prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement non collectif. Il vous a été transmis avec le dossier de synthèse. Je vais vous rapporter que les principaux éléments. On a 2547 installations d'assainissement non collectif qui sont recensées sur notre territoire pour 5880 habitants desservis. En 2019, seuls 12 contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés par nos services à la demande des usagers. Le marché de notre prestataire est arrivé à échéance et toutes les installations existantes ont été contrôlées il y a moins de 10 ans. 41 installations ont été contrôlées directement par nos services dans le cadre de transactions immobilières. 56 contrôles de conception et 58 contrôles de bonne exécution pour des installations neuves ont été réalisés là aussi directement par nos services. Ces contrôles ont généré en 2019 un total général des recettes de 11 535 euros. Notre tarification est restée inchangée depuis 2012. À la fin de l'année 2019, on a 1277 installations étant jugées conformes, soit un taux de conformité de 52,86% contre 52,14% en 2018. On avance petit à petit. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Vous participez pas beaucoup hein, ce soir ? Bon, mais s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vote. Donc, on prend acte. Voilà. Tout le monde est d'accord pour prendre acte de ce rapport. C'est bien. Bon, mais Jean-Louis, tu continues. Avec la convention tripartite de rejet au réseau d'assainissement des eaux usées et ou industrielles de la Minoterie Planchot, oui. Avec une autorisation de signature. La communauté de communes du Pays des Herbiers accepte de recevoir dans son réseau d'assainissement puis de traiter dans ses stations d'épuration les effluents en provenance des entreprises installées sur le territoire intercommunal. Lorsque les rejets génèrent une charge polluante supérieure à celle des eaux domestiques normalement rejetées, ou lorsque le processus industriel génère une consommation d'eau potable non rejetée dans le réseau, il est établi une convention tripartite entre le gestionnaire du système d'assainissement, entre parenthèses délégataire de la CCPH, la communauté de communes, propriétaire des réseaux et des stations de traitement, et bien entendu l'industriel concerné. Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières du déversement. Le projet de convention sur lequel nous délibérons ce soir concerne essentiellement le calcul de la redevance pour la minoterie Planchot à Saint-Paul-en-Paré. En effet, une grande partie de la consommation d'eau sur leur site de la zone du Charfet est consommée dans leur process et n'est pas évacuée par le réseau d'assainissement des eaux usées. Il est donc proposé de calculer la redevance assainissement au prorata de la consommation réellement rejetée dans le réseau. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ah. Enfin une question. Avant de voter, nous aimerions connaître la situation de la station d'épuration de Saint-Paul, même si vous avez précisé, M. Launay, qu'il y avait peu de rejets. Est-elle vraiment dimensionnée, cette station, pour recevoir un supplément d'effluents ? Oui. Peut-être Nicolas, non ? Tu... Bah oui, mais tu as... La compétence est transmise à la communauté de communes au niveau de la zone. Donc, pour nous, il n'y a pas de projet particulier pour l'instant à venir. Non, c'est que l'Observatoire national des services d'eau et assainissement, c'est un site officiel que j'ai consulté hier, affirme que la capacité nominale de la station, équivalent habitants, est de 1100 habitants. Donc, je me pose la question. Est-ce que, déjà, vous avez dépassé cette population, puisque vous êtes à 1300 habitants ? Donc, dans ces conditions, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable que l'entreprise ait sa propre station ? C'est juste une question. Après, les établissements Planchot, c'est surtout pour faire leur farine. Mm-hmm. Donc, en rejet, c'est vraiment très peu construit. Très peu, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'il
font la démarche. OK. Et vous n'avez pas du tout de problème de saturation de réseau. Par exemple, lors des épisodes pluvieux aux Herbiers, la station des Herbiers est souvent victime de débordements. On appelle ça les bypass. Quand on chuinte la station, parce qu'on ne peut plus, et on va directement tout verser dans la rivière. Ce n'est pas votre cas. Bah, disons qu'à Saint-Paul, il faut passer toute la côte du Charfé avant. Oui, d'accord. Ça s'arrête avant. OK, ça s'arrête avant. Il n'y a pas la rivière... comment s'appelle ce cours d'eau qui se trouve juste à côté? C'est le petit lait. Avant, il y a avant, oui, il y a le petit lait, mais avant, il y a un autre cours d'eau qui se trouve juste à côté de l'entreprise. C'est donc la Proutière, c'est le ruisseau de la Proutière. Ouais. Donc là, il n'y a pas de problème non plus. Ok. Et on a la conserverie solaire qui va arrêter aussi. C'est pas le devenir. Donc vous avez de la marge pour gérer. Okay. Donc là, au niveau du process, hein, la consommation d'eau et une grande quantité est utilisée dans le process. Donc il y a beaucoup moins de rejets par rapport à ce qui est consommé par l'entreprise. Alors malheureusement sur le site, il y a l'entreprise Soulard qui va arrêter son activité. Donc on va avoir moins de rejets à la station. Donc là, pour les mois à venir, la station elle va être moins sollicitée. Hein, ça, c'est la réponse immédiate par le fait que voilà, il y a cette entreprise qui s'est arrêtée. Et puis, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais la convention, là, vous voyez, on la passe. Et si vous regardez le contrat, c'est avec Veolia. Et là, tout à l'heure, on vient de dire pour les quatre communes que c'était Suez. Donc, il va falloir la refaire avec le nouveau prestataire qui a été retenu, c'est-à-dire Suez. Donc, on pourra retravailler la question et puis vous donner plus d'informations lorsqu'on passera la convention. Rosine, et puis petite précision pour les 1100 équivalents habitants, c'est pas forcément toute la population de Saint-Paul, c'est qu'une partie. C'est pas pour ça que si Saint-Paul a plus d'habitants, il y a tous les villages qui ne sont pas forcément, enfin j'imagine, oui, qui ne sont pas dans la station. Donc, c'est pour ça que la Proutière, déjà, qui est son assainissement à part. Oui, oui, donc ça ne correspond pas au nombre d'habitants. La Proutière dépend des Herbiers. Non, la Proutière dépend de Saint-Paul. La Pillotière qui dépend des Herbiers. Oui. L'assainissement est en route depuis cette année. Oui. Comment, Jean-Yves ? La Proutière, ça propose tout à fait. Oui, on l'a inauguré il n'y a pas longtemps. Ça a été un des premiers. Ouais. Quoi. Non, mais notre préoccupation essentielle, c'est de faire en sorte que l'eau qui arrive au barrage, puisque nous sommes, nous, en Vendée, ravitaillée en eau potable par les eaux de surface, il faut que cette eau soit de qualité. Bien sûr. Oui, absolument. Non, mais j'entends bien, je n'ai pas, j'ai pas parlé de la Bulletière. Mais il reste que néanmoins, tout ça va vers, forcément, il y a des barrages sur le Grand, puisque le petit lait se jette dans le Grand Lait. Il y a forcément un barrage, je crois que c'est celui de la Vouraie. Oui, la Vouraie. La Vouraie, oui. Voilà, c'est tout. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ou d'autres remarques ? Bien, ben je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Nous passons à la délibération numéro 23. Jean-Louis, toujours avec un avis sur la modification du règlement intérieur des déchetteries. Oui, je vous propose d'actualiser le règlement intérieur des déchetteries pour tenir compte des évolutions qui sont intervenues depuis son adoption. Les actualisations et modifications sont les suivantes. Le terme « gardien de déchetterie » sera remplacé par « agent d'accueil ». À l'article 4, « déchets acceptés », on va pouvoir ajouter des déchets suivants, « radiographie et cartouches d'encre ». À l'article 8, « limitation de l'accès aux déchetteries », premier tiré, « précision pour les particuliers », les dépôts sont limités à 1 mètre cube par passage, et le badge est à retirer au service environnement de la communauté de communes. Deuxième tiret, explication sur le financement du service par les professionnels qui sont soumis à une tarification en fonction de la nature et du volume des dépôts et qui devront se présenter au service environnement pour retirer la tricarte. Troisième tiret, enfin pour les usagers, entre parenthèses particuliers ou professionnels, ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes, afin d'éviter tout versement d'argent à l'agent d'accueil, ils devront également retirer leur tricarte au service environnement de la communauté de communes. La collectivité se chargera de la facturation qui a lieu deux fois par an.
Je vous remercie de bien vouloir émettre un avis favorable à cette modification du règlement intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement intérieur, sur les petites modifications ? Pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Alors, maintenant, Jean-Louis va vous présenter les principaux indicateurs de l'année 2019 en matière de déchets. Mais en introduction, je voudrais simplement nous féliciter collectivement, toutes les populations de nos communes, pour les bonnes performances de notre intercommunalité en matière de tri, à tel point que notre intercommunalité est aujourd'hui identifiée comme un territoire pilote. Dans une récente enquête, l'association Zéro Waste France nous place en deuxième position des intercommunalités françaises produisant le moins de déchets. En effet, avec un score de 75 kg par habitant en 2019, nous sommes loin devant les moyennes départementales, 140 kg par habitant pour le département de la Vendée et moyenne nationale, 269 kg par habitant au niveau de la France. Donc, vous voyez, on est quand même loin devant. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras et se reposer sur ses lauriers, il faut bien sûr continuer. Mais si nous sommes sur le podium, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous récoltons aujourd'hui les fruits d'une politique ambitieuse qui a su allier sensibilisation et pédagogie, accompagnement de nos concitoyens dans le geste de tri, par des sacs adaptés, par des pavillons de compostage en zone urbaine notamment, par de la signalétique sur les points collecte, etc., etc. Mais aussi avec des sanctions et une certaine répression face à des actes d'incivilité. Et il y en a encore, je reçois régulièrement des belles photos par mail ou sur mon portable de Moloch qui sont toujours, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, souvent les mêmes, où c'est quand même dégoûtant, avec des sacs laissés au pied des Moloch. Donc là, il y a des sanctions qui sont mises, bien sûr, mais bon, voilà, il y a toujours ces problèmes-là. On s'appuie aussi sur notre jeune brigade de propreté, une équipe de terrain qui veille au bon respect de notre règlement et de la propreté des lieux de dépôt. Donc chaque jour, avec l'équipe du service environnement, que je veux saluer, parce qu'ils font un travail, un bon travail, nous tâchons d'appliquer une politique juste pour encourager le tri, diminuer les quantités de déchets produits et amener collectivement notre population à respecter son cadre de vie, ses ressources, ainsi que notre planète à tous. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Et puis, ça tombe bien, puisque ce matin, j'ai dans mon courrier, ou hier, plutôt, on a reçu dans le journal de l'ADEME, le pays des herbiers, territoire pionnier. Voilà, il y a un article sur nos performances. Et encore une fois, il faut être très humble, parce qu'il faut continuer dans ce sens-là. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais ça fait plaisir de voir dans le journal de l'ADEME, qui est un journal, alors je ne sais pas si tout le monde le lit, mais bon, qui est assez intéressant, que nous sommes en bonne place. Voilà, avec un petit article sympathique sur notre territoire. Voilà, Jean-Louis, je te laisse continuer sur les déchets. Donc, comme pour le SPANC, je vous rapporte les principaux éléments du RPQS 2019 pour l'élimination des déchets ménagers. Alors, concernant les tonnages collectés, le tonnage d'ordures ménagères a encore légèrement diminué en 2019 pour atteindre 2219 tonnes, soit 75,05 kg par habitant par an. Ce résultat est à comparer à la moyenne vendéenne de 140 kg par habitant et de la moyenne nationale de 269 kg par habitant. Ainsi, entre 2014 et 2019, le tonnage d'ordures ménagères produit sur notre territoire a diminué de presque 60%. Le tonnage d'emballage collecté est resté sensiblement égal à celui de 2018, mais avec une légère baisse du taux de refus de tri, moins 6%, engendrant ainsi une hausse de 4% du tonnage d'emballage valorisé. Le tonnage de verre stagne aux alentours de 1400 tonnes collectées par an, hausse non significative de 1% entre 2018 et 2019. Le tonnage collecté de papier a diminué de 5%, soit moins 36 tonnes. Ensuite, on a 6884 tonnes qui ont été collectées en déchetterie, soit une nouvelle fois une légère tendance à la baisse, moins 0,81% ou encore 57 tonnes. On constate cependant une hausse de 39,17% plus 24 tonnes pour les déchets diffus spécifiques. Une hausse de 7,23% pour l'ameublement après une hausse déjà l'an passé de 19,81%, sachant que ces produits sont gérés par un éco-organisme.
une nouvelle baisse des tonnages de déchets verts de 2,06% après une baisse de 16,2% en 2018 et une forte baisse du tonnage des plastiques souples, moins 20,48%, soit 3 tonnes. Depuis 2016, le taux de valorisation dépasse les 65%, atteignant les 70% depuis 2017. Les objectifs de la loi sur la transition énergétique, 65% en 2025, sont déjà dépassés. C'est pour ça que DEME fait un article sur notre territoire. En ce qui concerne les actions de prévention, 212 composteurs individuels ont été distribués en 2019, portant le nombre total depuis le début de l'opération à 5500. 384 enfants ont été sensibilisés en milieu scolaire par les ambassadeurs du tri de Trivalis. 54 associations ont été accompagnées pour réduire les déchets et améliorer le tri lors de manifestations. Enfin, nous avons collecté 17 tonnes de coquilles d'huîtres lors des fêtes de fin d'année, soit environ 4 tonnes de plus qu'en 2018. Elles ont, comme tous les ans, été recyclées en amendement par la société Bâti Recyclage. D'un point de vue financier, on va moins rire. La redevance représente 94% de la recette du budget de fonctionnement qui s'élève à 2 437 677 euros. Les dépenses de fonctionnement ont représenté 1 716 397 euros répartis de la façon suivante. 38% concernent le traitement des déchets, 28% la gestion administrative, le personnel de collecte et les frais de structure du service, 14% pour la gestion des déchetteries, 7% pour l'entretien du parc de véhicules, on va avoir un nouveau véhicule, 5% pour le carburant, 5% pour la maintenance générale pour la pré-collecte. La différence entre recettes et dépenses de fonctionnement dégage un excédent sur l'exercice 2019 de 289 519 euros, hors cession de conteneurs. Le budget investissement est également excédentaire. L'amortissement des investissements antérieurs, 431 761 euros, est supérieur aux besoins de financement actuels. Le résultat du budget investissement 2019 se monte donc à 128 000 euros, portant l'excédent cumulé à presque 600 000 euros. En conclusion, après deux années marquées par de forts changements dans le service, mise en place de la redevance incitative en 2016 et extension des consignes de tri en 2017, les années 2018 et 2019 ont été deux années stables, tant au niveau des tonnages que de l'organisation du service. Sur la partie traitement, les coûts peuvent encore évoluer en fonction du déploiement de la redevance incitative à l'échelle du syndicat départemental, mais aussi des coûts de reprise des matières. Et là, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le flux déchetterie apparaît comme celui où la marge d'amélioration est la plus grande en raison du développement des trois R. R comme réemploi, R comme réparation et R comme recyclage. Les perspectives pour l'année 2020 vont être les mêmes que pour l'année 2019. Et puis on a presque fini l'année 2020. À savoir, renforcer l'amélioration du taux de recyclage en luttant contre les erreurs de tri et en développant le volet prévention. Intensifier la lutte contre les dépôts sauvages, identification des foyers sans carte, mise en place de dispositifs de surveillance. Voilà. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que de la part du syndicat Trivalis, on a reçu la perspective financière de contribution de la communauté de communes pour l'année prochaine. Pour cette année, pour l'année 2020, on était à 654 000 euros de contribution. Et pour l'année 2021, on risque de passer à 802 000 euros de contribution. Voilà. Et ça s'explique par, en particulier, une hausse de la taxe TGAP et une forte baisse du coût de rachat des matières premières qui sont recyclées, mais le prix de ces valeurs matières premières a fortement diminué dans certains cas. Donc, il faut que l'on continue à faire des efforts. Voilà, c'est pour ça, rien n'est gagné. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Juste un commentaire, il faut continuer à faire des efforts, mais aussi gardons notre avance. Et pourquoi ne pas aller vers la valoriterie ? Une valoriterie permettrait d'accroître, encore une fois, de limiter les déchets ultimes et puis d'accroître nos revenus. Et puis également, la limitation des déchets à la source avec la promotion du vrac.
Est-ce que nous avons là des moyens d'action, des leviers pour favoriser ce choix du vrac? Alors, juste sur la valoriterie, donc ça, c'est une très bonne idée, on y pense. Hein. De toute façon, je me demande si Trivalis a pour un peu objectif aussi d'imposer, ou du moins, ils ne peuvent pas nous imposer, mais de suggérer d'une manière intensive la création de valoriterie, c'est-à-dire que des petits magasins, c'est Boufféré qui est précurseur, je crois. Donc, c'est de la seconde vie ou de la troisième vie pour des objets que les gens jettent. Alors, quelquefois, c'est des vieux objets, mais quelquefois, c'est des objets que les... Quand on voit ce que les gens mettent dans la poubelle, c'est assez incroyable. Donc là, l'idée de la valoriterie, moi, je suis tout à fait pour. Ça permettrait vraiment de donner à plein d'objets une autre vie. Et après, sur le vrac, c'est vrai que l'année pour le thème des emballages va être vraiment le thème très important pour le syndicat Trivalis. Hein, c'est ce qu'on a vu l'autre jour. En réunion, parce que c'est incroyable ce qu'on met dans ce fameux sac jaune. Hein, les emballages sont très, très, très importants. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, vous pensez à quoi quand vous parlez du vrac, mais ce n'est pas trop à notre initiative, hein, c'est surtout ceux qui fabriquent. Donc, comment ? Allez-y. Hein. Oui, Estelle. En ce qui concerne le vrac, on voit maintenant que dans toutes les nouvelles commerces, ils sont de plus en plus effectivement à le mettre en valeur, le vrac. On en trouve presque partout dans les petits commerces. Et puis à savoir ici, même dans les boucheries et charcuteries, maintenant on peut ramener sa barquette et non, à chaque fois utiliser une barquette, on peut revenir avec sa barquette pour servir. Et ça aussi, ça fait de l'emballage en moins. Et ça, le petit commerce en est très, très conscient. Voilà, il y a un appel à projet qui a été lancé là, sur le pays des herbiers. Trivalis a répondu. Oui, Trivalis a répondu, c'est pour les bocaux, l'utilisation de bocaux réutilisables, une fois qu'ils sont lavés, etc. Enfin, il y a plein de choses à trouver, hein, mais voilà. Non, on est enfin avec aussi, on en a parlé ce matin avec Franck, là, lors d'une conférence de presse, sur l'économie et l'écologie circulaire. Là, il y a un vrai créneau aussi pour aussi réutiliser des emballages divers et variés pour une nouvelle vie. Enfin, là aussi, il y a plein de choses qui existent. Les déchets des uns peuvent être faire le bonheur des autres. Et on a encore une bonne marge sur les erreurs de tri. Hein, on a 30% d'erreurs de tri. Donc là ces erreurs de tri, après, au niveau de Trivalis, ben, on est impacté. Et puis, ça veut dire que la matière première n'est pas valorisée à sa juste valeur. Donc, même si le coût d'achat des matières premières a diminué, si on ne fait pas d'erreur de tri, on permet quand même d'envoyer la matière première dans le bon circuit. À mon avis, on a des choses là aussi encore à améliorer. La communauté de communes de Challans se lance à titre expérimental dans une redevance incitative pour les emballages. Ce sera intéressant de voir après quelques mois comment ça se passe. Qui voulait parler ? Non, c'est bon ? Oui, vas-y, Patrice. Ouais, juste, on parle des emballages, mais il y a aussi un gros gaspillage et une vraie prise de conscience à avoir sur le gaspillage alimentaire. Parce que là, donc, effectivement, il y a du gaspillage et on remplit nos poubelles avec des emballages, mais il y a aussi tout ce qu'on balance parce qu'on a trop acheté ou mal conservé. Et quand on voit les pourcentages de ce qui se balance, ça fait peur, quoi. Donc, d'avoir une prise de conscience d'acheter ce qu'on consomme, quoi, et non pas suracheter. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Vaste sujet. OK. Donc là, il n'y a pas de vote. On prend acte là aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous prenons acte de ce rapport. Et puis, ensuite... Landry, pour la convention de l'Agence départementale d'information sur le logement et l'énergie de Vendée avec l'Observatoire de l'Habitat. Oui, dans le cadre de notre programme local de l'Habitat, depuis 2018, la DIL de Vendée nous prête son concours pour la mise en place de l'Observatoire de l'Habitat. La DIL 85 est déjà intervenue sur les sujets suivants, le parc de logements locatifs sociaux et la demande locative sociale, la construction neuve et l'accession sociale à la propriété,
le foncier disponible et les ventes dans l'ancien, le parc locatif privé, localisation, caractéristiques, loyer, occupant, étude sur l'objectivisation des tensions sur les marchés du logement, méthodologie et résultats, portrait du territoire sur l'habitat. Le Conseil communautaire du 12 février 2020 a décidé de proroger le PLH en cours jusqu'à l'approbation du nouveau PLUIH. Aussi, il convient de poursuivre également les dispositifs d'observation de l'habitat et par conséquent de renouveler le conventionnement avec l'ADIL 85. Les thématiques traitées devront porter sur les sujets suivants. L'analyse de la conjoncture du marché immobilier, le suivi de la demande de logement locatif social, le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés, le suivi de l'offre foncière et d'un dispositif d'observation foncière. L'ADIL interviendra donc de la manière suivante. L'organisation de réunions semestrielles sur les thématiques énoncées, en associant le Conseil départemental, les services de l'État et, selon les thématiques, les acteurs locaux de l'habitat, peut-être des professionnels de l'immobilier, agents et autres. Un accès à l'atlas privé sur lequel sera mis en ligne et en téléchargement les données et les cartographies du territoire, ainsi que les présentations réalisées au cours de l'année. La cotisation pour la mission d'observatoire s'élève à 5 000 euros par an pour les années 2021, 2022 et 2023. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et puis, dernière délibération, on reste dans le logement avec le bilan du programme local de l'habitat 2014-2020. Landry. Bien que prorogé de 3 nouvelles années en attente de l'entrée en vigueur de notre futur PLUIH, notre PLH 2014-2020 doit faire l'objet d'un bilan final soumis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. La présente délibération a donc pour objet d'arrêter le projet de bilan final du PLH qui vous a été communiqué. Sur la construction de logements, on observe que sur les 6 années du PLH, 1028 logements neufs ont été construits sur un objectif de 1320. 139 logements locatifs sociaux neufs ont été construits sur un objectif de 260 et 11 logements en PSLA, c'est-à-dire prêt social location accession, sur un objectif de 70. Les raisons principales avancées de non-atteinte de ces objectifs sont un ralentissement économique observé à l'échelle nationale, mais également à l'échelle intercommunale pour 2014-2016, qui a impacté le rythme de construction des logements. Le nombre de logements à construire avait été appréhendé dans la continuité du PLH précédent, mais avec une prospective encore plus ambitieuse. La révision du PLU de la ville des Herbiers, approbation fin 2014, ce qui a retardé l'aménagement des zones en 1AU pour les lotissements. Mise en place également de la réglementation thermique 2012 qui a entraîné une hausse du prix de la construction neuve. Les primo-accédants et investisseurs ont donc été frileux à faire construire dans un premier temps. Sur notre territoire, seule la ville des Herbiers est considérée par l'État en zone prioritaire pour le financement du logement locatif social, mais prioritaire uniquement au rang 2. Ainsi, les bailleurs sociaux préfèrent mener des opérations dans les zones définies tendues, donc en zone 1, principalement le littoral vendéen. Néanmoins, en raison de la tension du marché du logement sur le pays des Herbiers, les bailleurs sociaux semblent, depuis quelque temps tout du moins, s'intéresser un peu plus à notre territoire et commencent à regarder un petit peu ce qu'on leur propose en termes de développement du logement social. En ce qui concerne les actions mises en place dans le cadre du PLH, elles font chacune l'objet d'une analyse d'enseignement, points de vigilance, opportunités, dont nous tiendrons compte pour l'élaboration du PLUIH. Il faut noter que pour la totalité des actions que nous avons menées pour améliorer l'habitat de nos concitoyens, construction neuve ou rénovation, la communauté de communes a versé 1 562 565 euros en subventions. Ce montant a généré un montant de travaux de 35,4 millions d'euros. Voilà, donc c'est un résumé. Vous avez eu tout le programme, le bilan en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Ce qui est contre ce bilan, qui s'abstient?
Merci. Alors, nous avons terminé. Je voudrais, pour faire un petit point d'étape, comme il n'est pas trop tard, ça va pas être trop long, vous n'en faites pas, vous dire où on en est sur le PLUH, sur le PSAET, sur les commerces, parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont lancés, mais avec le Covid, comme on ne peut pas forcément se réunir beaucoup, c'est compliqué. Un petit point peut-être aussi sur la médiathèque et puis Patrice sur la piscine. En ce qui concerne le PLUH, les arbitrages sur le projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD, et les grandes orientations du volet Habitat, il y a eu un comité de pilotage qui a été réalisé, qui a eu lieu le 21 octobre et que nous allons compléter le 25 novembre prochain. Le comité de pilotage est constitué par le bureau communautaire. Donc, on se retrouve mercredi prochain pour terminer, puisque là, c'était sur une journée entière et on n'avait pas fini. En ce qui concerne la présentation du PADD aux élus dans le cadre d'un séminaire annuel regroupant l'ensemble des élus municipaux, donc municipaux, hein, pas que communautaires, eh bien là, on avait prévu une date, mais ici, à Herbauche, mais là, on est nombreux, donc on ne peut pas se réunir. Donc, la date, elle pourrait être fixée première quinzaine du mois de janvier, bon, en fonction des consignes sanitaires, bien évidemment. Mais ça, c'était prévu pour informer, parce que ce PLUH, il faut que tous nos concitoyens soient vraiment au diapason, et donc toutes nos communes sont concernées. Et on inviterait vraiment tout le monde pour regarder le PADD dans le détail. Ensuite, il y aura des débats sur ce PADD dans chaque conseil municipal. Donc là, la date, elle sera à caler en fonction du séminaire où on sera tous. Donc voilà, ça, c'est le rétro-planning. Ensuite, il y aura débat sur le PADD en conseil communautaire. Donc là, on a arrêté la date du 17 février. Parce que si on va trop loin, le problème, c'est qu'on ne votera jamais notre PLUH. Hein, donc il faut bien, là aussi, faire un rétro-planning. Donc, 17 février, donc ça veut dire qu'avant, il faut qu'il y ait le débat dans vos communes et puis qu'il y ait le séminaire également. Ensuite, il y aura une phase réglementaire. C'est tout ce qui concerne le zonage et le règlement. Donc ça, ce sera de mars à décembre 2021. C'est incompressible. Et une phase administrative avec notamment les avis des personnes publiques associées, avec les avis sur l'évaluation environnementale, l'enquête publique, le passage en conseil municipaux dans chaque conseil, le conseil communautaire. Donc là, il y a 8 à 9 mois incompressibles sur 2022, avant de voter notre PLUH. Bon, vous voyez qu'il y a deux grandes zones incompressibles, mais auparavant, il faut qu'on puisse en débattre entre nous et au sein de chaque conseil municipal. Voilà pour le PLUH. Sur le PCAET, là, on a pris du retard aussi, en raison, ben, toujours la même chose. Et puis, également, il y a eu pas mal de concertations avec le monde agricole. Les objectifs du PCAET sont définis par le bureau communautaire. Donc, on a arrêté ça en fin 2019. Ils ont été remis, c'est pour ça qu'on a perdu un petit peu de temps, mais c'est du temps nécessaire. Ils ont été remis en question par le monde agricole, n'est-ce pas, Rosine ? C'est toi qui as suivi ces réunions au début de l'année 2020, encore récemment. Donc là, on devait faire une réunion au printemps, une réunion de concertation, mais on n'a pas pu puisqu'il y avait la crise sanitaire. Elle a pu se tenir le 12 octobre dernier. Donc après le confinement, le premier confinement et les congés d'été, voilà. Donc on court un petit peu après le temps là, mais c'est pas de notre fait. Donc là, les prochaines étapes pour le PSAET, c'est la prise en compte et l'intégration des remarques du monde agricole. À l'issue de cette étape, dans les jours qui viennent, le cabinet qui a été retenu nous transmettra un document intégrant les observations qui ont été émises par le monde agricole, entre autres, et cette intégration modifiera les objectifs qui avaient été validés par le bureau là, en fin 2019. Ensuite, il y aura présentation et discussion en bureau pour validation des objectifs modifiés. Donc là, ce sera le bureau du 2 décembre ou du 16. Ensuite, rédaction des fiches actions de décembre 2020 à janvier 2021.
Donc, il y a une quarantaine de fiches actions. Donc là, il y a un gros travail aussi. Et il y aura des ateliers. Et rédaction et réalisation du document final en février-mars 2021, si on arrive à tenir les délais, parce que là aussi, on ne sait pas du tout comment ça va se passer au niveau sanitaire. Voilà pour le PCAET. Ensuite, nous avons la stratégie et développement commercial et revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Vous savez qu'il y avait une démarche, il y avait une réunion qui était prévue, réunion avec nos commerçants, on a été obligé de tout annuler. Donc le diagnostic, il a été présenté en comité technique le 29 octobre dernier. Il devait être présenté, il a été reporté, voilà, pour les raisons que vous savez. Il devait y avoir des ateliers de travail avec les commerçants le 2 décembre, mais c'est reporté. Alors, idéalement, présentation du diagnostic et des orientations au comité de pilotage dès que possible, en fonction du Covid, bon, 9 ou 16 décembre ou janvier 2021. Ensuite, il y aura la feuille de route et volet opérationnel pour le premier trimestre 2021 et programme de revitalisation avec différents dossiers qui doivent figurer dans ce programme au deuxième trimestre 2021. Donc, tout ça est très vague, hein, vous voyez bien, mais pour l'instant, on ne peut pas réunir les commerçants, on ne peut pas… Donc là, on est dans le flou le plus total. Et puis, peut-être un autre… sur la médiathèque, je parle sous le contrôle de… Non, il n'est pas là, Emmanuel. Ici, il n'est pas là. Voilà, Emmanuel. La médiathèque, pour l'instant, c'est toujours un projet. Vous savez qu'on l'a validé quand même dans le mandat précédent. On va sans doute revoir à la demande des uns et des autres, on pourra en rediscuter, mais je pense que il faut qu'on revoie un petit peu la voilure. On ne peut pas se permettre maintenant de mettre trop d'argent dans ce projet. Et en fait, ce serait un package, en fait, il y aurait la médiathèque qui serait donc la nouvelle bibliothèque des Herbiers, hein, pour parler plus clairement, parce que la bibliothèque aujourd'hui des Herbiers, qui est un peu la maison mère de ce réseau, n'est pas du tout adaptée à ce que l'on souhaite et aux fréquentations et aux animations qui sont réalisées dans cette bibliothèque. Donc, l'idée, c'est de construire une médiathèque, hein, qui serait une bibliothèque un peu plus importante. On appelle ça pour l'instant le pôle numérique. On reverrait un petit peu la voilure, c'est-à-dire qu'on baisserait en termes de superficie. Il faut qu'on se mette d'accord sur le lieu aussi, donc ce sera aux Herbiers, mais il y a plusieurs lieux possibles. On sait bien sûr ce que Emmanuel a travaillé avec l'équipe, hein, sur le contenu. Il est où? Ah, bah, t'es là, Rachel. Il a travaillé avec l'équipe sur le contenu. Et ensuite, quand je parle de package, c'est-à-dire il y aurait cette bibliothèque, cette médiathèque aux Herbiers, et aussi on en profiterait pour revoir un petit peu toutes les bibliothèques de nos communes. Voilà, parce que je sais qu'ici ou là, il y a des demandes. Alors pas à Vendrennes puisqu'elle est toute belle, toute neuve, mais sur Mouchamp, sur d'autres communes, il y a eu des demandes où il faut qu'on monte un petit peu en gamme au niveau amélioration intérieure. Enfin, il y a pas mal de choses à voir dans les bibliothèques. Donc voilà, ce sera un programme qui inclurait à la fois la médiathèque, tête de réseau des Herbiers, et puis les différentes bibliothèques des sept autres communes. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Voilà, et après, il conviendra de définir aussi une enveloppe financière, mais je crois que par les temps qui courent, il ne faut pas surdimensionner un équipement. Il faut être raisonnable, mais par contre, voilà, garder quand même cette idée d'avoir un pôle numérique qui serait donc intercommunal, bien évidemment, et puis faire montrer un petit peu en gamme toutes nos bibliothèques. Est-ce qu'il y a des questions, entre autres, sur ça? Non? Voilà, et puis peut-être, Patrice, tu peux nous parler de la piscine qu'on a garder accessible, oui. Notamment pour les écoles. Oui, donc deuxième confinement, donc deuxième fermeture de la piscine. Donc on a fermé la piscine au public avec l'arrivée du deuxième confinement. On s'est posé la question avec notre prestataire
pour fermer totalement la piscine, savoir si comment ça allait se passer et comment on allait pouvoir gérer avec les scolaires. Il s'avère que après consultation de l'aspect financier avec de prestataires et les collèges et lycées qui y participent, c'est très compliqué pour les scolaires d'arrêter complètement la piscine pendant toute une période, sachant que pour les collèges ça rentre dans les examens du brevet du collège et ils sont aussi avec les mêmes contraintes que nous leur créneau horaire à mettre les élèves dans un service ou dans un autre. Et donc, ils ont aussi besoin de ces créneaux pour mettre les enfants à la piscine. Socialement en plus et sportivement, ça leur fait du bien d'aller se défouler un peu à la piscine. Donc, c'était compliqué pour le collège de les arrêter. Et les lycées, même constat, ils ont des créneaux de piscine pour les envoyer pendant ces heures de sport à la piscine et de les garder dans les salles de sport, c'était compliqué aussi. Donc, du point de vue pratique, c'est compliqué pour arrêter les scolaires. Du point de vue financier, l'été, juillet-août, on avait donc budgétisé 63 000 euros, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour fermer la piscine pendant les deux mois de juillet et août. Il s'avère que 63 000 euros, on sera nettement moins parce qu'il y en a une fréquentation qui a été relativement meilleure que prévu. Et donc, on n'aura pas un déficit de cette valeur-là. Et donc, on s'est posé la question de se dire... quelque part, ce qu'on aura gagné d'un côté, on va laisser les scolaires aller à la piscine et profiter de ce moment-là sans les pénaliser et d'utiliser ce budget-là qu'on aura gagné d'un côté pour le dépenser de l'autre. Voilà. Donc, grosso modo, ça va nous coûter autour de 15 000 euros supplémentaires de laisser la piscine ouverte aux scolaires pour qu'ils puissent bénéficier de ça et ne pas les pénaliser sur leurs études et leur diplôme. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? En fait, ce Covid, on le voit dans chacune de nos communes, mais ça remet en cause plein de choses. Hein. C'est vrai que sur le fonctionnement, il faut s'adapter, il faut être hyper réactif, surtout que les circulaires et les réglementations et tout ça, on le reçoit souvent le matin pour le soir, voire le lendemain. Donc, c'est un peu compliqué. Et ça remet en cause aussi tous nos gros projets que je viens d'évoquer. On a un conseil, le prochain c'est le 9 décembre, alors vous allez dire c'est quand même très rapproché, oui parce qu'en fait on devait avoir ce conseil qui était un peu un conseil supplémentaire par rapport au PLUI, on devait être beaucoup plus avancé hein, Yann, et bah, du coup on l'a maintenu quand même, mais ce sera je pense peut-être un petit conseil, mais on passera pas on n'aura pas beaucoup avancé sur le PLUI. Voilà, est-ce qu'il y a des questions diverses et variées? Pas de questions? Si? Monsieur Merlet. Oui, juste une petite information concernant le groupement intercommunal des organismes nuisibles qui lutte pour nous contre les rongeurs aquatiques envahissants. Donc, étant président depuis 1994, j'ai voulu me laisser tout simplement le flambeau. Donc, je vous laisse ce soir en profiter pour vous présenter le nouveau conseil d'administration. Donc, le président est Damien Herriot, les Châteliers, les Herbiers. Le vice-président est Ufto Gérard, la Tranchette Saint-Germain-de-Princey. Le trésorier est Benoît Jadot, les Épaisses. Le secrétaire est Pino Patrice, les Herbiers. Ensuite, les autres membres, nous avons Guisto Régis, les Chasseries de Beaupère. Guillotot Joseph, l'Angirardière des Herbiers. Merlet Fabien, le Noyer de Saint-Paul-en-Paray. Et Tricouard Jean-Louis, le Parquet de Vendrenne. Je vous remercie. Bon, eh bien, on peut te remercier d'avoir, pendant de nombreuses années, on peut même pas t'offrir un verre, mais d'avoir, avec passion, tu t'es occupé des taupes et des ragondins. Donc, merci Jean-Yves pour ce que tu as fait pendant toutes ces années, parce que 94, on peut t'applaudir, ouais, on peut t'applaudir. 94, cela dit, on rigole, mais c'est pas rien, hein, c'est nuisible. 94, ça fait un paquet d'années, hein. Ouais. Bien, merci. On n'a pas de pot de l'amitié, il n'y a même plus de moment de convivialité. Vous avez la petite bouteille d'eau, c'est tout. Et on va essayer de faire comme on a fait à la commune, on a mis des petites gourdes. Et là, Delphine va nous commander on va avoir des petites bouteilles, comment vous appelez ça ? Isotherme. Donc chacun avec le logo de la communauté de communes. Elle les a commandées. Et si vous êtes sage pour Noël, au prochain conseil, on les aura au prochain conseil ? On espère que vous aurez droit à une petite bouteille isotherme que vous remporterez chez vous. Vous mettrez ce que vous voudrez dedans parce qu'elles sont opaques. Et vous pourrez venir avec la gourde et boire ce que vous voulez. Voilà, bonne soirée.